Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un conseil qui m'aide beaucoup dans mes journées et dans surtout mes processus créatifs. Mais vous allez comprendre avec cette vidéo que ce qui m'aide dans mes processus créatifs m'aide dans ma vie à moi aussi, ma vie perso, en dehors de ma vie de créateur. Parce qu'en fait, tout dépend des idées que j'ai dans ma vie. Et j'ai l'impression que les solutions créatives que j'ai m'aident aussi dans ma vie parce que je pense que finalement, on a tous besoin d'idées, de nouvelles idées dans notre vie pour soit lui donner un sens, soit la pimenter un petit peu. On a tous besoin de changement, on a tous besoin d'être créatif au fond. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager comment est-ce que j'arrive à faire parce que pour moi, la créativité et de manière générale, tous les processus créatifs, c'est juste un long fil sur lequel il y a des nœuds que tu dois réussir à démêler. Et une fois que tu arrives à démêler, une fois que tu arrives à démêler un petit peu le nœud, bah, tu peux avancer jusqu'au prochain nœud et ensuite ainsi de suite jusqu'à avoir un jour, bah, peut-être un fil bien, bien droit, bien tendu, que tu pourras, enfin, que tu pourras, qui prendra la forme de quoi que ce soit. Si c'est une vidéo YouTube comme moi, si tu es un YouTubeur, si c'est un livre, si tu es un auteur, si c'est un tableau, si tu es un peintre. Mais j'aimerais me dire que cette vidéo va aider des personnes à avoir un fil bien tendu qui sera la concrétisation d'un long processus créatif. Mais évidemment, pour arriver à concrétiser ça, j'arrive pas à voir si à chaque fois mon écran il tombe en même temps, si mon téléphone il tombe. Mais pour arriver à ce processus créatif abouti, enfin pour arriver à cette création aboutie, on a besoin de passer par un processus créatif qui est, disons-le, pas mal compliqué parce que plein d'embûches et parce que plein de solutions à trouver. Comment est-ce que je vais vous illustrer ça? En fait, en ce moment, le problème que je suis en train de résoudre, le micro-problème que je suis en train de résoudre, c'est de trouver une miniature pour YouTube. Donc un truc qui est assez simple, enfin un truc qui est vraiment un micro-problème, mais le processus est le même. J'utiliserai exactement le même processus si je devais résoudre un gros problème de vie. Par exemple, typiquement, trouver ce que j'ai envie de faire de ma vie. Parce que le processus que j'ai pour mes miniatures YouTube, comme pour mes idées de vidéos YouTube, comme pour le montage de mes vidéos YouTube, est exactement le même que lorsque je cherchais il y a quelques années en arrière ce que j'allais faire de ma vie. Et qui serait exactement le même si un jour, si maintenant là mon pote, mon meilleur pote m'appelait et me disait: Grégoire, j'ai un énorme problème, il faut que j'arrive à faire ci, il faut que j'arrive à faire ça avant tel jour, il faut que j'arrive à sortir telle personne de telle situation, j'aurais le même processus. Ce que je fais, c'est que j'essaie toujours, toujours, toujours d'orienter mes pensées vers le problème et d'éviter toutes les distractions qui vont éviter mon esprit de me concentrer sur ce problème. Parce que tout dépend de mes intentions. Si j'arrive à diriger mes pensées et mes intentions vers ce problème, des solutions vont en être. Ensuite viendra un temps où je chercherai à diriger mes intentions vers autre chose que le problème. Mais dans un premier temps, j'ai besoin de diriger 100% de mon attention vers ce problème. Comment je fais? Je réduis mon champ des possibles. C'est-à-dire que là, depuis 30 minutes, je me pose une question de comment je vais réussir à faire cette miniature YouTube. Ce que je fais, c'est que devant moi, je n'ai que ça. Je n'ai rien d'autre, je n'ai aucune autre distraction. Et la seule chose que mon cerveau voit, la seule chose que moi je vois, c'est un ordi avec une feuille sur laquelle je cherche à faire une miniature YouTube. Ça, c'est la première étape. Je réduis mon champ des possibles, je réduis même mon champ visuel pour n'avoir que ça en tête. Évidemment, il y a aussi tout ce qui se passe ici. Évidemment que même si j'essaye de réduire au maximum mon champ visuel, il reste mon champ intellectuel qui est plus difficile à réduire parce qu'il y a forcément plein de pensées qui passent, beaucoup plus que de voitures qui passent ou de personnes qui passent devant ma fenêtre. Surtout que là, il n'y a vraiment personne qui passe devant ma fenêtre. Donc autant mon champ visuel, il est assez dégagé. Par contre, mon champ intellectuel, mon champ cérébral, on l'appelle comme on veut, il est quand même beaucoup plus mouvementé parce que j'ai forcément vécu des choses aujourd'hui, j'ai forcément des pensées en tête, des choses que j'ai besoin de faire qui me prennent un petit peu d'espace mental. Bref. Ça, je ne peux pas le réduire à 100%. Il y aura forcément des pensées qui vont passer par ici. Ce que je fais, et ce que je dis d'ailleurs dans la vidéo que je prépare, de laquelle je cherche à en faire une miniature, c'est que j'ai toujours un bloc-notes, bon, que je n'ai pas ici aujourd'hui parce que j'ai changé d'endroit, mais j'ai souvent un bloc-notes à côté de moi lorsque je travaille, sur lequel j'écris mes pensées lorsque ces pensées arrivent. Comme ça, je sais d'avance que lorsque je vais faire un travail productif et que je vais limiter mes pensées, je vais en avoir d'autres qui vont me distraire. Mais si j'ai un bloc-notes à côté de moi et que j'arrive à l'avoir et à écrire en même temps que j'ai ces pensées, en quelque sorte, j'élimine ces pensées de ma tête et comme ça, je peux revenir à limiter mes pensées et les diriger vers ce sur quoi je me contrôle, vers ce sur quoi je me concentre.
Donc le bloc-notes, ça m'aide. Sinon, ce que je fais, c'est un truc que j'ai appris à faire avec l'expérience, c'est juste, c'est pas grave, je laisse passer les pensées, c'est un petit peu le but de la méditation aussi, c'est que lorsque tu as des pensées qui te distraient, tu vas les accepter, tu vas les voir, tu vas y penser quelques secondes, quelques microsecondes, et ensuite, tu vas passer à autre chose. Ça, si tu n'y arrives pas, ça c'est le niveau 2, on va dire, parce que si tu n'y arrives pas, retour à l'astuce numéro 1, d'écrire sur un bloc-notes, ce qui est pour moi la meilleure astuce possible lorsqu'on a un bloc-notes devant soi. Ensuite, une fois que j'ai dirigé mes pensées et toutes mes intentions vers le problème que j'ai envie de résoudre ou le problème duquel j'ai envie de sortir une solution, vient la phase où je vais évidemment me concentrer. Ça va durer 25, 30, 45, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, grand max, grand max. Le moment de, on va dire, de commencement de résolution du problème, de vraiment de pure réflexion où je vais essayer de diriger 100% de mes pensées vers ça pendant 30, 45, peu importe la session de créativité que je vais avoir. Je vais vraiment penser qu'à ça, chercher des problèmes, anticiper des problèmes et chercher des solutions. Et là, typiquement, je ne vais pas vous montrer tout mon écran, mais en gros, ce que j'ai noté, c'est d'abord mes idées. Ensuite, je cherche moi-même les problèmes de mes propres idées pour ensuite trouver des solutions aux problèmes de mes idées. En gros, j'essaye de, par exemple, pour vous donner quand même des exemples, là j'ai pensé à des idées de miniatures. J'ai pensé à comment est-ce que j'allais me placer sur la miniature pour réussir à faire la vidéo. Ensuite, j'ai pensé à des problèmes de la miniature. Par exemple, j'ai pensé à une miniature que j'ai déjà faite il y a quelques mois qui prend la forme d'un avant-après. Je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos YouTube, mais souvent j'ai une structure qui revient souvent qui est l'avant-après. Comme ma vidéo sur les réseaux sociaux où il y a avant à gauche une partie de mon visage avec des boutons, avec un fond plus sombre et à droite une partie plus colorée, comme ma vidéo sur la routine qui m'a sorti de la déprime où à gauche je suis sous la douche froide et à droite je cours. C'est souvent un avant-après. Et donc, quand j'ai eu cette idée de miniature, j'ai noté ensuite dans problème, la miniature avant-après a déjà été pas mal faite sur ma chaîne YouTube. Donc, beaucoup de répétitions. J'ai pensé à d'autres idées comme une miniature sérieuse où j'ai mis miniature avec une tête sérieuse. En problème, par contre, j'ai mis la miniature avec la tête sérieuse a déjà été faite. Bref, à chaque fois que j'ai des solutions que j'apporte, j'essaie d'anticiper aussi les problèmes de mes propres solutions. Et ensuite, je trouve des solutions à mes problèmes en cherchant d'autres idées. Mais tout ça, j'ai réussi à le faire au bout de 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes. Et c'est surtout, ça dépend de la complexité du problème. Là, c'est pas un problème très complexe. Donc là, j'y suis depuis quelques minutes. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je commençais déjà à trouver des solutions au problème parce que c'est pas un problème très, très grave ni trop complexe. Donc, ça, c'est la phase 1. C'est la phase où je réfléchis au problème. Mais avant, il y a eu cette phase de limitation de mes pensées, limitation de mon champ visuel pour orienter toute mon énergie vers ce problème, vers la résolution de ce problème. Et évidemment, il y a une étape, il y a l'avant de l'avant, où je vais essayer de bien dormir la nuit d'avant, la veille, pour ensuite avoir plus de capacité de concentration et de capacité de réflexion. Et puis voilà, il y a tout le travail avant de routine du soir qui m'aide à mieux dormir, et ensuite la routine du matin qui m'aide à mieux me réveiller, pour ensuite avoir le maximum de capacité cognitive à diriger vers mes problèmes, etc. Prendre des meilleures décisions, parce que oui, lorsque je dors plus, je prends des meilleures décisions de manière générale, et les jours où je dors moins, je suis plus émotionnel et moins rationnel. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser l'ordi, je vais sortir tant qu'il fait jour et je vais aller me balader 20, 30 minutes, 45 minutes, peu importe. L'idée cette fois-ci, c'est d'orienter mes pensées vers autre chose pour, on va dire, faire un restart où je vais, on va dire, me forcer à penser à autre chose et aller dans un environnement différent avant de revenir ici et de refaire une deuxième session de productivité où je vais retrouver cette limitation du champ visuel et intellectuel, alors que là, je vais faire l'opposé, où je vais sortir, donc je vais avoir quelque chose qui va se passer devant moi, je vais avoir des passants qui vont passer, je vais changer de chemin, etc. Donc mon champ visuel, il va être hyper ouvert, mon champ intellectuel, il va être hyper ouvert, je ne vais pas chercher à le refermer, je ne vais pas chercher à le rétrécir, au contraire, je vais chercher à faire l'opposé de ce que je viens de faire, c'est-à-dire élargir mon champ visuel et élargir mon champ intellectuel. Et ensuite, je vais revenir. Et c'est à ce moment-là, souvent, que je trouve des solutions aux problèmes que j'avais avant, ou alors juste que j'ai des nouvelles idées, parce que je viens d'ouvrir mon champ des possibles. Ok? Ça, c'est ce que je fais de manière générale. C'est un peu le processus que j'ai trouvé, en fait, qui est simple, hein. C'est toujours la même idée de
tu peux pas te concentrer toute la journée. Du coup, tu as besoin d'avoir des phases où tu vas te concentrer et ensuite te penser à autre chose, essayer de faire autre chose que te concentrer. Enfin, tu vas avoir une phase d'action, puis ensuite une phase plus de réflexion où tu vas être plus passif, une phase active, puis après une phase passive, etc. C'est toujours cette idée de faire des efforts, se reposer, faire des efforts, se reposer, comme le fait un athlète professionnel qui va pas s'entraîner toute la journée, mais qui va faire une, deux ou trois sessions d'entraînement, ensuite se reposer, manger, etc. Se reposer, manger, etc. Et puis dormir, et puis se reposer. Enfin, dormir, et puis après recommencer à s'entraîner. Bref, c'est vraiment un processus classique. Mais moi, c'est un truc que j'ai appris à la fac de droit, qu'on ne m'avait pas appris avant à faire, parce que moi, au contraire, lorsque je suis arrivé en fac de droit, on me disait, ouais, il faut que tu travailles toute la journée, ce qui est bien loin de la meilleure stratégie possible pour réussir à la fac ou pour quelque activité que ce soit. Et tous les athlètes professionnels te diront que le repos fait partie de l'entraînement et fait partie de c'est quelque chose d'extrêmement important pour leur préparation. Donc, voici mon processus créatif, ici, pour un exemple très simple, qui est celui des miniatures, mais qui est le même. Lorsque je fais quelque chose de plus compliqué à résoudre ou de beaucoup plus complexe. Donc, en fait, c'est assez simple. C'est juste que j'avais besoin, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de partager ce processus, parce que c'est un truc qui me paraît très simple, mais qui peut aider beaucoup de personnes. Donc, voici comment ça se passe dans ma tête, voici comment je vois la résolution de mes problèmes. Et sachez quand même que pour les problèmes qui m'ont pris le plus de temps à résoudre, les solutions venaient parfois après des semaines, voire des mois de réflexion. J'ai mis des mois de réflexion à trouver ce que je voulais faire de ma vie. J'ai même mis des années de réflexion. Mais il m'a fallu quelques mois pour trouver parfois une première idée de quelque chose que je pourrais faire plus tard. Donc, soyez patient. Le processus va varier en fonction du problème à résoudre. Et pour des problèmes complexes, n'ayez pas peur d'avoir ce processus, d'engager ce processus sur des semaines et des mois. N'ayez pas peur d'être patient, parce que c'est la patience qui vous permettra de résoudre les problèmes les plus complexes de votre vie. Mais n'hésitez pas à utiliser le même processus pour des problèmes très, très faciles à résoudre, qui peuvent se résoudre en quelques minutes. Parce que pour moi, c'est le meilleur processus possible. Et n'ayez pas peur de prendre des pauses, n'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur de ne pas être focus à 100% sur vos problèmes et vers la résolution de vos problèmes, parce que c'est parfois en vous éloignant un petit peu du problème et en y revenant ensuite que vous trouverez des solutions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans un prochain clip. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!